mais j'avance avec vous mon défi. Donc là, c'est la toile de Valentin et c'est pour le défi avec la chaîne Angélique Diamond Painting. Donc j'ai pris ma petite coupelle blanche, j'ai pris mon stylo multiplaceur, j'ai pris mon stylo que j'ai fait maison que je vais tester en résine. Bon, par contre, je trouve chelou, ça me laisse un truc un peu plus large là, ça fait un creux. Alors je sais pas, je crois que je dois mal les faire, mais bon, on va tester justement. Et comme je savais pas quel numéro faire, du coup, comme d'habitude, j'ai demandé à monsieur. Il m'a dit aujourd'hui tu fais la case 40. Donc on est parti. Alors j'ai prévu le cutter parce que il y a des endroits où c'est mal coupé. Donc on avance et là ça sera la... Alors je vois que vous n'êtes pas droit par rapport à ma case. Ça sera la case numéro 8 en fait. 3... Non, 9. C'est la 9e case pour moi que je vais faire. Donc je vais vous zoomer encore un petit peu. Voilà, et on est parti. Alors pour celle-là, je n'avais plus de valisette, donc j'ai mis dans les boîtes de tic-tac. Alors je teste les boîtes tic-tac, bah, je trouve que c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, c'est pas aussi bien que les tubes quand même, hein. Mais voilà, ça fait l'affaire. Ça dépanne bien. Donc bah voilà, la prochaine fois j'ai des partenariats, s'il y a des valises, je vais reprendre des valises. Surtout que maintenant j'ai dit que je fais tous les mois je ferai des défis. Donc s'il y en a sur des chaînes et que bah, ça correspond aux toiles que j'ai, bah je prendrai, je ferai avec eux. Sinon bah je me lancerai des défis à moi-même. Voilà, comme ça. On va trouver, je vais trouver une solution. Je sais pas. Après, il y a un groupe Facebook, si vous voulez aller rejoindre. Moi, ça m'intéresse pas spécialement parce que j'ai été voir. C'est les défis 2021 sur Facebook. Alors, comment ça s'appelle? Je sais qu'il y a marqué les défis 2021. Bah, ça doit être Diamond Painting défi 2021, je crois. Ça doit être ça. Sur Facebook. Mais moi, mon défi, en fait, surtout, c'est... d'utiliser des toiles que j'ai à la maison et que pour vider mon stock quoi. Et là en fait il y a plein de trucs qui correspondent pas. Alors je suis désolée, j'ai dit plusieurs fois en fait. Il n'y a pas de toiles qui correspondent pas spécialement à ce que j'ai moi. Parce que moi principalement, c'est pareil, Rachel sur son groupe, elle fait des, pareil, des défis. Mais pareil, ça correspond pas aux toiles que j'ai. Il faut là pour par exemple, il y avait un thème, c'était le thème chat. Un autre qui était, je sais plus. Il y avait plein de thèmes, mais les thèmes ne correspondent pas à ce que moi j'ai en stock. Donc c'est un peu embêtant. Je vais pas aller recommander des toiles alors que j'en ai déjà un stock. Donc moi, j'utilise bah, mon stock. Donc si je trouve des défis avec d'autres filles et tout ça, avec des toiles que j'ai en stock, bah je ferai. Bah sinon, je ferai mon défi moi-même. Je me donnerai une 30 par 40 que je couperai en plusieurs parties, comme là. Après j'ai en format, j'ai d'autres formats plus petits, donc pourquoi pas faire, se dire une plus petite par exemple à faire en, je sais pas, par exemple une 30-30, je la coupe en... en 9 et puis la faire en 9 jours parce que comme ça fait des cases équitables. Donc je sais pas, à voir. Bon, mon stylo il a l'air d'être très agréable. Alors j'ai pas mis la tablette, vous voyez bien, moi c'est un peu plus compliqué. Donc celle là c'est une toile de chez Yuashina Store. Bon, elle est bien, mais au niveau des carrés, il y a certaines couleurs, ça laisse un peu à désirer. Il n'y a pas non plus des immenses gros écarts. Et comme la toile est coloriée derrière, on va dire que là, bah, vous avez déjà des couleurs derrière. C'est ça que je veux dire par colorier. Bah, les écarts, quand vous n'avez pas de tablette lumineuse, vous ne voyez pas les écarts. C'est, donc une fois sous cadre, ça ne se verra plus. Puisque de toute façon, on ne la regarde pas de près. Donc voilà. Encore une fois,
L'étoile de Diamond Painting, ça se regarde de loin. D'ailleurs, je referai une vidéo dessus, mais je vais vous le dire ici. Si vous commandez chez Rose Diu Tout Self, hein, la boutique que je vous ai présentée, avant de payer, il faut mettre le code Flora Charton. Vous laissez le message au vendeur Flora Charton. Vous aurez un petit cadeau dans votre colis. Donc apparemment c'est de la très bonne qualité. Hein. Enfin, j'ai pas encore testé, mais moi j'ai déjà commandé plusieurs fois chez elle. D'ailleurs, le mois prochain, je pense que ça va être une toile de chez elle que je vais prendre en toile défi. Parce que pour l'instant, j'aurai que le défi de Sandrine. Mais Sandrine, normalement, le défi, il faut prendre des toiles 40 par 50 ou 40 par 30. Et moi, en fait, celle que j'ai qui pourrait faire carnaval, elle est 30 sur 30. Donc ça va vite aller. Mais bon, elle m'a dit qu'elle était quand même ok, que c'était pas grave de faire des cases plus petites. Je vais m'arranger. Voilà. Et du coup, bah, je pense que peut-être je vais commencer une toile à elle en même temps. De cette boutique là pour voir ce que ça donne. Mais moi ce que j'ai vu, ça a l'air d'être génial. Donc comme ça, ça vous fait un petit cadeau. Voilà. Et avec le code, en fait, ça permet de savoir si bah, elle, ça lui permet de savoir si vous venez de ma chaîne ou si vous venez juste comme ça. Et ça vous permet d'avoir un petit cadeau. Donc juste, je vous rappelle, juste avant de payer, il y a un petit encart où il y a marqué laissez un message au vendeur. Là, vous laissez Flora Charton. Et puis voilà, nickel. Vous aurez votre petit cadeau. J'ai convenu de ça avec elle parce que je lui ai dit c'est bien joli, mais elle veut pas me faire de partenariat parce que soi-disant ils peuvent pas. Donc j'ai dit bah voilà, mais moi je vous fais quand même un peu de pub, donc voilà. Elle me dit oui, mais je pourrais vous faire peut-être des petits cadeaux, mais il faut que je sois sûre que les gens viennent de votre part. Donc j'ai mis en place comme avec Yuashina Store de mettre le code Flora Charton, comme ça ils savent. Elle sait que vous venez de moi et vous avez votre cadeau. Donc les petits cadeaux, par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est pareil, je suis en pour parler avec elle. Je vais faire un genre de carte de fidélité. Vous voyez, vous achetez 5 toiles. Bah, par exemple, vous avez une réduction sur une toile. Et puis, je sais pas, vous achetez 10 toiles. Bah, vous en avez une gratuite, quoi. Voilà. Oh mince. Je suis en pour parler avec elle, mais c'est pas facile. Enfin, nous, on arrive bien à parler ensemble. On discute bien. Mais pareil, c'est parce que c'est une boutique aussi qui avait... qui vendait uniquement du diamond painting, qui vendait aucun outil. Donc je lui ai dit, c'est pareil, il faut vendre des outils parce que les gens, ben, s'ils veulent commencer à commander, si c'est quelqu'un qui commence, qui débute, ben, va peut-être vouloir acheter chez le même vendeur ben, une toile, un super stylo, ben, une valise pour ranger ou des piluliers. Voilà, donc moi je pense que une boutique, il faut qu'elle ait tout ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Dites-moi d'ailleurs, quand vous allez chez un vendeur, ce qui vous plaît chez le vendeur, comme là, si elle met des outils, est-ce que ça pourrait vous plaire? Est-ce que... Qu'est-ce que vous recherchez chez un vendeur après la qualité? Parce que oui, faut bien qu'on parle de ça aussi. Il y a la qualité aussi du produit. Mais une fois que vous avez la qualité, qu'est-ce que vous recherchez principalement chez un vendeur? Comme ça, je pourrais lui dire. Je vous attends du coup dans les commentaires. Je pourrais lui en parler. Après, je vais vous montrer du coup où j'en suis. Quand ma caisse va être faite. Donc en fait, celle de Valentin... J'essaye à peu près d'en faire 2 par jour, qui est l'équivalent d'une de la toile de Maïline, puisque la toile à Maïline, je vous l'ai déjà expliqué, on fait 3 cases par semaine.
Donc là, moi, j'ai fait mes 3 cases pour ma semaine. Donc en principe, j'essaye d'en faire 2. Là, hier soir, j'ai rien fait. Donc aujourd'hui, obligatoirement, il faut que j'en fasse 2. J'essaye minimum d'en faire une. Et maximum, en principe, j'en fais 2 faciles. Parce que là, c'est des petites qui font... Qui font 5 par 6. Elles font 5 par 6, donc ça va, c'est assez rapide. Surtout que là, les numéros que monsieur m'a choisis, c'est plutôt des numéros qui sont pas en confetti, donc j'arrive assez rapidement à finir. Puis j'avance mon Mario aussi. J'avance mon Mario tranquillement. D'ailleurs, là, je vous tourne une vidéo donc sur cette case-là. Et si ma puce fait encore dodo, je ferai peut-être une vidéo sur le Mario. Ah, désolé pour le téléphone. Alors attendez, je fais une pause, je coupe et je vous reprends après. Voilà, désolé, du coup, hop, on continue. Ah, et puis je crois qu'il y a bébé aussi qui se réveille. Ah non, là. Ça fait pas longtemps qu'elle était couchée. On va voir. Oh, mais pourquoi ça colle pas là? Bon, le stylo en résine, je sais pas pourquoi, hein. J'ai beau mettre les bonnes quantités, le stylo, ça fait plus de 15 jours qu'il sèche. Alors, pourquoi ça colle pas si bien que ça là? Et je sais pas pourquoi il est encore à moitié mou, un peu mou. Donc, suivant comment j'appuie, je sens le stylo qui se ramollit un peu et qui bouge, c'est pas cool. Donc là, hop, voilà. Déjà, on va faire. Alors, les noirs, là, ça va être la galère. Les 310, c'est là qu'il y a le plus de problèmes. En plus, je crois qu'elle fait des dents et ça doit lui tirer dans l'oreille. Ou alors, même une oreille. Il va falloir que je voie ça avec le médecin. Je crois qu'elle va aller faire un petit tour chez le médecin là, ces jours-ci. Bon, le stylo là il me saoule. Je vais prendre mon stylo normal là, ça me saoule. Ouais, et puis en plus je pense qu'elle arrive dans sa période aussi des cauchemars. Elle se réveille comme ça en pleurs, elle hurle. Il y a des fois elle est pas consolable. C'est vraiment compliqué. Du coup, vous l'entendez peut-être un peu en fond. Mais bon, je m'excuse plus parce que c'est ma vie de maman. Donc, voilà, je vais pas m'excuser. J'essaye un maximum de tourner mes vidéos quand elle fait dodo. Et là, elle est en train de faire dodo. Ça fait pas longtemps qu'elle est couchée. Pour info, on est le 8 janvier et il est midi et demi. Elle était déjà partie à la sieste parce qu'elle était très fatiguée. Et elle a dormi une demi-heure. Tiens. Donc ça va pas aller. Oh là là, mais pourquoi elle revient la pierre? Bon, je pense que je vais finir le coin noir et je vais aller m'en occuper, prendre la relève du papa parce qu'il doit aller, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, continuer
d'aider mon frère pour déménager parce que moi je ne peux pas. Je dois garder ma fille. J'ai personne pour me la garder, donc il va aller aider mon frère à déménager. Et du coup, je vais aller m'occuper de ma fille. Et puis, ça sera un peu un vlog, voilà. Je vous reprendrai un peu plus tard, si jamais. Je vais juste finir ce petit carré de noir. Et je vous reprendrai pour continuer après. De toute façon, c'est pas grave, c'est pas moi qui fais le montage, donc voilà. C'est pas moi qui aurai toutes les vidéos à assembler. Donc là, le multiplaceur, hop. D'avancer. Ça c'est pas facile hein. Quand on a une chaîne YouTube des enfants, c'est pas facile. Bon, puis là je suis en train de poser n'importe comment. Là pour le coup ça va pas être des trous hein. C'est pas de la faute des pierres, ça va être de ma faute à moi. Sont pas géniales ces pierres. Heureusement que la boutique elle a fermé Yuashina Store, mais je me dis j'en ai plein à faire. Heureusement qu'il y en a pas mal, que c'est des ronds. Et puis je ne vois rien. Il y a une luminosité tellement pourrie que je ne vois rien. Et j'ai pas voulu mettre ma tablette. Vous voyez, parce que j'ai des carrés qui sont un peu tordus, donc voilà, ça, vous voyez pas. Et là vous voyez, hein, là il y a des jours. Pourtant je suis sur la ligne du bas. Et là, je suis sur la ligne du haut. Alors, je veux bien qu'il y en ait quelques-unes que j'ai peut-être pas mis comme il faut, mais il y a du jour. Voilà. Mais là, il va falloir que je mette une tablette lumineuse parce que là, je ne vois rien. Désolée, je peux pas y repartir avec elle dans la chambre. Non, et puis je sais pas pourquoi, pourtant elle est bien tendue la toile. Je l'ai bien tendue. Elle était mise bien à plat depuis bien longtemps. Et là j'ai l'impression qu'elle se soulève. Et ça fait comme une vague à cet endroit là. Alors du coup je sais pas, donc je vais m'améliorer ça après. Ah oui, les carrés ils sont tellement mal taillés, là on le voit là. Celui-là il est tout petit. Mais bon j'ai pas le choix parce que si je manque de carrés. Voilà, bon bah du coup je vous reprends tout à l'heure pour finir la case. Là je vais m'occuper de ma fille. Voilà, re tout le monde. La petite, du coup, s'est endormie. Donc, je vais pouvoir continuer. Je ne vais pas parler trop fort, du coup. Et j'ai mis bien mon téléphone sur vibreur pour pas que ça la réveille. Donc, voilà, on va continuer tranquillou. Donc là, je vais faire ça, c'est les 7. Je commence à connaître les numéros. Mais bon, quand on fait plusieurs toiles à la fois... Et qui a les mêmes symboles, on croit que c'est ce numéro-là, mais c'est un autre. Donc je vérifie quand même toujours. Là, la ligne du bas et la ligne qui est là, je le ferai hors caméra. Je vais vous faire ce qui est visible. Donc c'était la dernière case du calendrier. Au niveau numéro, c'est le numéro 40. Donc voilà. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas trop tard si vous voulez participer. Il faut une toile de taille 30 par 40 qu'il faut couper en 40 cases. Enfin, il faudra aller sur la vidéo qu'elle a fait. Et apparemment, il y a un petit cadeau à gagner. Un tirage au sort à la fin pour ceux qui arriveront à tenir jusqu'au bout.
rencontre. En plus, c'est génial. Bah, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait que pourquoi pas moi je me lance aussi à faire pareil. Après, j'ai pas envie d'avoir des messages. Oui, tu copies les autres, tu veux faire comme les autres. Non, je sais pas si ça vous dit. Après, moi, ce que je peux faire, c'est peut-être qu'on en fasse un et chacun choisisse sa toile. On se donne par exemple une taille. On se dit, bah voilà, on fait une 40 par 50, ou là une 40 par 30, on fait tant de cases, et chacun choisit la toile qu'il veut, et... Ah ouais, mais après, il faudrait faire les montages, comme ils font. Les montages avec toutes les photos de tout le monde. Je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresserait ou pas, je vais y réfléchir. Avec, bah ouais, un petit cadeau à la clé, ça pourrait être sympa. Ça, des petits cadeaux à la clé, je peux en avoir parce que j'ai un petit stock de 9 toiles que je vais pas faire. Donc, d'ailleurs, il y en a une qui m'avait demandé de lui faire des photos de celle que je voulais pas faire en MP. Il faudrait que je lui fasse les photos, j'ai oublié. Pour voir avec elle. Et là, j'ai recommandé des stylets avec embout anti-fatigue. Comme Sandrine a présenté dans sa vidéo, j'ai envie de tester. Alors là, j'ai foutu la pierre n'importe comment. J'ai envie de tester. Alors, elles n'étaient pas vendues seules. Il y en a un lot qui était vendu avec des accessoires. De toute façon, c'est pas grave, je vous présenterai tout ça sur la chaîne quand ça va arriver. Donc voilà, et puis il y a les partenariats aussi. De toute façon, oui, pour les concours, il y a des trucs à gagner parce que si les toiles que j'ai mis de côté, j'arrive pas à les faire partir, elles seront à gagner. Elles seront à gagner. Et puis, comme le partenariat à Diamond Painting, on a Diamond Painting, A ou E, comme vous voulez, on n'a pas le droit de choisir les toiles qu'on veut. Donc du coup... À mon avis, on va être amené assez souvent à ne pas faire les toiles. Si c'est pas dans mes critères, c'est des trucs qui me plaisent pas, ben je les ferai pas. Donc du coup, autant que je vous les fasse gagner à vous. Donc j'en ai déjà deux de chez eux là, qui me plaisent pas. Sur 3, j'ai reçu la licorne. La licorne, je vais la faire aussi prochainement. Je pense, la licorne, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, dès que Mario va être fini. D'ailleurs, si j'ai le temps, je vais en faire après du Mario. Peut-être en vidéo. Et dès qu'il va être fini, ouais, je pense que je vais attaquer la licorne de chez A. Diamond Painting. Parce que je pense que, ouais, c'est ça aussi. Ça leur fait plaisir aussi qu'on fasse l'étoile. Parce que si on fait pas l'étoile et qu'ils nous les envoient... Alors, je suis désolée, vous allez peut-être entendre, il y a des jeunes en bas de chez moi. Et en plus, ils parlent fort. Donc là, par contre, je suis désolée pour le coup. Mais j'y peux rien non plus. Alors, les plus-plus. On va faire les plus-plus. Non, on va faire ça, là, déjà. Là, il y a des petits symboles. C'est un rond grillé. Ah mince, j'en ai oublié un, là. Ces jeunes sont complètement fêlés. Et voilà, ils m'ont réveillé, la petite, qui venait de se rendormir. Aïe, aïe. Je l'entends ronchonner. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Vive l'habitation près des collèges et des lycées, hein, moi je vous le dis. Parce que là, moi à la maison, je suis toute seule avec elle, donc il n'y a pas de bruit. Il y a moi qui est en train de vous parler, mais il n'y a pas de bruit autre, quoi, donc... J'ai pas envie de recouper la caméra encore une fois. Voilà,
Et vous avez été quelques-unes à me redemander des lives. Parce que je me suis mise sur Insta et je vous fais des stories. Et d'ailleurs, eh ben, hier, il n'y a pas eu de... pas de photo de publier de mon avancée puisque je n'ai rien fait hier. Mais du coup, j'essaie de poster tous les jours des photos de mon défi. Et parce qu'en principe, j'en fais tous les jours du défi. Et maintenant, je fais quelques stories. Et du coup, aujourd'hui, j'ai oublié d'aller faire une story. Et j'ai pas posté puisque je n'avais rien fait. Enfin, hier. Pour hier, j'avais rien fait, donc j'ai pas posté. C'est pas facile. C'est pas facile la vie de youtubeuse, influenceuse. Non, pas encore influenceuse. Parce qu'à part les petits partenariats, les tout petits partenariats qu'on reçoit, c'est rien. Enfin, moi en plus, j'en ai pas beaucoup des partenariats, franchement. Comparé à certaines. Et je suis pas jalouse, hein. Je suis pas jalouse, mais comparé à certaines, ouais, je fais pas beaucoup de partenariats. C'est parce que je pense que ma chaîne n'est pas bien référencée. Et je n'arrive pas à faire que quand, bah, genre, vous tapez Diamond Painting, ça c'est ma chaîne qui c'est dans les premières catégories. Alors je sais qu'il y a un algorithme et qu'il y a certains critères qu'il faut mettre, certains mots, certaines choses, mais j'ai essayé plein de fois. Je calcule 6. J'ai essayé plein de fois de changer les mots, les ceci, les cela, mais ça fonctionne pas bien. C'est bien dommage. Parce que je me dis quand même, depuis le temps que je fais du diamond painting. Mais aussi, le problème qu'il y a eu, c'est que j'étais sur mon autre chaîne. J'avais une autre chaîne de diamond painting. Où je faisais du tout et du rien. Et à un moment donné, j'ai plus envie et j'en ai eu marre. Et j'ai tout bazardé. Et après, j'ai dû me refaire cette chaîne-là. Ça a été très très long à la monter. Il y a des moments où, comme là, ces dernières semaines, ces derniers jours, en jour, j'ai pris quasiment une dizaine d'abonnés. Donc il y a des fois où ça va aller super vite et des fois c'est super long. Et je comprends pas parce que... j'ai quand même 1000... au jour d'aujourd'hui, là, le... Donc, je vous ai dit, on est le 8 janvier. Le 8 janvier, à l'heure où je vous parle, j'ai quand même 1066 abonnés et mes vidéos ne font pas plus de... quarantaine de vues. Et encore. Et encore, je crois que la dernière qui est publiée ce matin, elle est qu'à une vingtaine de vues. Donc, je comprends pas... Et même si on compte sur 24 ou 48 heures, je n'atteins pas ces 1000 abonnés. Au moins, je devrais avoir au moins 1000 vues par vidéo. Donc je sais pas comment ça se passe, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées et qui regardent plus du tout ma chaîne mais qui restent abonnées? Je sais pas. Mais bon, tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. Mais du coup, ça nous permet... non, ça nous permet pas d'être reconnus par certains partenariats et que bah, les gens, quand ils veulent des... les boutiques, quand ils veulent faire des partenariats, bah, logiquement, de ce que j'ai pu comprendre, ils vont sur YouTube et ils tapent, bah, par exemple, là, le mot-clé Diamond Painting et bah, si votre chaîne, elle sort en position 20 alors que, voilà... ils vont contacter directement la position, je sais pas, les 10 premiers par exemple. Et puis, bah vous êtes en 20e, vous n'êtes pas contacté. Donc voilà. Et puis, bah, quand vous les contactez pour leur demander, bah, souvent c'est pareil. Ils vous disent, bah non, votre chaîne ne fait pas assez de vues. C'est pour ça que Nuomi, pour l'instant, ils ne veulent pas travailler avec moi. Mais peut-être là. Ça a changé de personnes chez Nuomi, c'est quelqu'un d'autre qui fait les partenariats. J'ai peut-être un petit espoir. Logiquement, il devrait y avoir un petit débloqué pour essayer d'avoir un petit partenariat. Alors, peut-être plus petit que les autres, vu que ma chaîne fait moins de vues. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont répondu pour des partenariats que bah,
Votre île ne fait pas assez de vues, donc on ne veut pas vous prendre. Alors après, j'ai dit, vous faites tourner certaines chaînes. Faites des partenariats avec certaines chaînes qui en font encore moins que moi et qui ont encore moins de personnes. Moins d'abonnés. Mais bon, c'est leur choix après, voilà. C'est leur choix, mais je sais pas s'il est forcément judicieux, leur choix. Oui, c'est vrai que le nombre de vues fait un peu tout parce que plus la vidéo est vue, plus y a d'ouverture. Il y a d'ouverture pour que les personnes achètent, mais je sais pas. Travaille pas dans le monde du business, on peut pas trop savoir comment que ça se passe. Puis c'est pas facile aussi parce que moi du coup quand j'ai commencé avec mon autre chaîne et même je crois au tout début de celle-là j'étais quasiment une des premières à faire du diamond painting sur ma chaîne. C'est un peu pour ça que j'avais ouvert, je sais plus si c'est celle-là ou l'autre, hein, peut-être dans l'autre, dans mon autre chaîne où bah, j'étais une des premières à faire du diamond painting sur ma chaîne. Et maintenant, bah, on est plein. On est plein. Je sais pas combien qu'on est à faire en France, rien qu'en France déjà, à faire du diamond painting, mais on est plein. Moi, j'en suis d'ailleurs pas mal de vous. Donc, c'est normal que, bah, après, ça c'est un peu compliqué aussi de monter et d'avoir autant de vues. Parce que si toutes les personnes qui font du diamond painting suivent toutes les autres personnes qui en font, et eh ben les gens ils passent des journées à regarder les vidéos, donc c'est pas vraiment possible non plus. Donc je pense que c'est pour ça aussi que vu qu'il y a beaucoup de monde qui en fait, mais on se retrouve avec beaucoup moins de vues. Mais tout ça c'est logique. Parce que moi je sais que je passe pas mes journées sur mon téléphone à regarder les vidéos. Donc je pense que tout le monde est pareil. Là, ça fait quelques jours que j'avais pas tourné, donc je vais tourner des vidéos aujourd'hui pendant la sieste de la petite. Donc déjà, quand je tourne des vidéos, bah, je peux pas en regarder parce que là, je suis en train de vous parler. Bah, il y a des fois aussi quand je fais des vidéos en musique, comme pour le calendrier de l'Avent, j'en ai fait beaucoup en musique. Et là, pendant que je suis en musique, soit c'est parce qu'il y a du bruit autour de moi et du coup, bah, je préfère qu'il y ait de la musique au lieu d'entendre le bruit, ou alors parce que je regarde une vidéo. Puis il y a des fois, je mets en musique parce que, comme je vous ai déjà expliqué plein de fois, hein, c'est que bah, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Là, vous voyez, là, je viens de vous parler pendant pas mal de temps, du coup. Donc, du coup, la vidéo d'après, la Mario, bah, je pense que, sincèrement, je pense qu'elle sera en musique. Elle sera en musique parce que ben je vais vous raconter quoi. Je vais vous raconter quoi? J'ai plus rien à vous raconter après. Parce que quand j'enchaîne les vidéos comme ça, ben quand il y a des que j'ai du temps, parce que j'ai d'autres rendez-vous, j'ai d'autres choses à faire aussi. Donc quand j'ai du temps pour tourner les vidéos, ben j'essaye d'enchaîner des vidéos. Et du coup, ben oui, c'est pas facile. D'avoir tout le temps à vous parler. Donc je sais qu'il y en a qui aiment bien en musique, surtout quand on met de la musique zen et tout ça. Il y en a qui aiment pas, donc c'est difficile de satisfaire tout le monde. En tout cas, moi 2021, je demande plus de vues sur ma chaîne, pas forcément plus d'abonnés, hein, on est bien, mais plus de vues. Plus d'heures de vue. Et pourquoi pas, comme je disais, parce que je vous ai expliqué aussi pourquoi les partenariats. Parce que pour moi, les partenariats, c'est ma rémunération. Hein. Je suis pas rémunérée par YouTube, donc c'est un peu ma rémunération du temps que je passe à vous faire vos vidéos.
à faire des vidéos de... Parce qu'il ne faut pas croire, hein, pour toutes, toutes celles qui sont dans le domaine des vidéos, elles savent. Mais pour les autres, il ne faut pas croire. Hein, ça prend pas 5 minutes. Hein. Là, regardez, j'ai dû commencer. Il devait être midi et demi, je crois. Et là, il est déjà 13h05. 13h05, je suis encore avec vous. J'ai coupé plusieurs fois parce que la petite, elle s'était réveillée. Elle pleurait. Donc son papa aussi s'en est occupé. Il faut préparer la toile, s'installer parce que moi je sais pas, c'est pas ma toile, c'est ma table où je suis tout le temps. Ma table là, moi elle me sert pour manger et tout ça, donc il faudra amener le matériel, se reposer sur la table, tout préparer. Après moi j'écris pas mes textes, hein. Ça me l'a déjà reproché. De chercher mes mots et de chercher ce que j'avais à vous dire. C'est vrai que moi, je ne fais pas des vidéos. Je prépare pas mes vidéos à l'avance. Et là, j'ai une idée. Voilà, je vais faire ça. Là, je sais que j'ai plus de vidéos. Donc, je vais faire ça. Je vais tourner là. Donc, voilà, si ça arrive. Ça arrive tout de suite. Et ben, j'exécute dans la foulée. Là, c'est là, j'avais du temps, donc je savais pas trop quoi faire. Parce que j'ai pas d'ouverture et ni rien. Moi, je vais faire du diamond painting, donc hop, je vous fais une vidéo. Mais voilà, c'est tourné directement dans la foulée de ce que j'ai pensé. Donc moi, c'est pas du tout écrit. Mes vidéos, elles sont pas du tout écrites. Donc des fois, ça peut paraître un peu brouillon, mais bon, voilà. Peux pas faire autrement. Je vois pas l'intérêt d'écrire ma vidéo. Alors peut-être que quand c'est un partenariat, si pourquoi pas écrire peut-être un petit mot sur le côté pour se dire bah voilà, il y a ça, ça, ça qu'il faut pas oublier. Mais moi en fait mes vidéos elles sont naturelles. Et puis oui, il faudrait que j'essaye de voir si je reprends les lives. Alors j'ai trouvé. C'est pas moi qui ai trouvé d'ailleurs, c'est mon frère. Mon frère il est sur un truc, sur une application. Alors vous me direz si vous connaissez. C'est une application où vous faites des lives et vous êtes rémunéré. Enfin, vous faites 30 heures de live dans le mois et après vous êtes rémunéré. Donc du coup, il faut que je voie ça. Je coupe 5 minutes, il y a mon frère qui me rappelle, désolé. Alors, désolé. Donc on va continuer. Hop. Du coup, j'en ai profité pendant que j'étais au téléphone pour poser quelques pierres. Voilà. Par contre, il va falloir que je mette un petit coup de vernis parce que là, je me suis aperçue qu'il y en a une ou deux qui ne collaient pas. Donc, je les ai posées et je vais mettre un petit coup de vernis colle juste après sur cette case-là pour pas que ça bouge. On arrive bientôt à la fin. Du coup, avec tout ça, je sais pas pour combien je vous en aurais tourné. Hop là. Ouais, je sais pas ce qu'elles ont. Il y a des endroits où ça colle pas beaucoup. Hein. Celle-là, je vais. Ouais, vous voyez là, à peine je touche, ça glisse. Comme s'il n'y avait pas de colle. Donc là, ça, obligatoire, je vais finir cette ligne-là hors vidéo. Et je vais passer un petit coup de vernis colle parce que là, c'est. Sinon, je vais perdre des pierres et ça va pas être bien, quoi. Donc hop, on va finir celui-là. Le carré, là, il reste. Alors. Tac. Celui-là, c'est quoi? C'est quoi? C'est le 20. C'est le 29. Moi, il est où le vin? La fille qui est toujours pas aussi organisée. Je préfère vraiment quand même mes tubes. Mes tubes, c'est vraiment plus pratique. Alors, attendez, je trouve pas mon numéro 20. Il est passé où? Ah, bah, il est là, sous mes yeux. Sous mes yeux, je la vois pas. C'est souvent ça d'ailleurs, on cherche loin alors que c'est sous nos yeux.
5 minutes, mon poussin, j'ai fini. Donc pour les vernis, c'est pareil, je vous avais fait une vidéo où je vous avais montré mon vernis que j'utilisais. Donc il est très très bien. Hein. Il laisse pas de dépôt, c'est un vernis tout matériel là que j'achète en magasin de bricolage. Vous voyez, tiens, hop là, ça bouge là. Et bing, voilà, ben ça c'est fait. Alors celle-là va là, celle-là elle va là. Et là j'ai un plus qui est du coup qui a sauté. Bon, ben, c'est pas grave, je remettrai après, je sais pas où il est atterri. Je vais, voilà, donc... D'où l'intérêt de vernir, là, je sais pas ce qu'elle a, la toile. C'est pour ça que là, pour mes défis, franchement, je vais prendre des toiles. Maintenant, quand je reçois la toile, je marque sur le côté. Pourtant, celle-là, elle est de juin 2019 et j'en ai des plus anciennes qui collent encore mieux. Mais pour mes défis, il faut que je prenne vraiment mes toiles les plus anciennes et que j'aille à la plus récente parce que là, c'est plus possible. C'est pour se retrouver avec des toiles comme ça, là, qui ont du mal un petit peu à coller... Je pense que c'est le fait qu'il y a l'espèce de petite vague. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Donc voilà pour ma vidéo du jour. Un peu chaotique, mais je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Donc je vous reprends juste 2 secondes pour vous montrer. Donc voilà, j'ai refait le bord là et le bord là. Et du coup, je vais prendre la toile et je vous la montrer entièrement. Vue sur moi. Alors j'ai resserré le pied de la caméra parce qu'elle bougeait trop. Ah, du coup elle est compliquée à soulever. Donc voilà, coucou. Donc hop, elle va dans ce sens là. Et voilà tout ce que j'ai fait. Là, donc la case qu'on vient de faire, c'était celle-là. Celle qui est là. Donc là on a un bout des cheveux, là on a la main et la tétine, on a un bout là, on a un bout là. Voilà ce que je voulais vous montrer dans son intégralité. Et du coup, j'en ai 3 et 3, 6 et 3, 9. Voilà, bisous.